Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Wrath of the White House. C'est là-bas, Vol, tout au nord, là. Donc si j'avais Sioux, je crois que c'était plus près que ça. Mais tant pis, continuons notre route par là. Sans Calista, on va pas mourir. On a Volge à sa place, c'est pas grave. Ça devrait bien se passer quand même. Allez. La construction a tué certaines plantes. Et de la magie alors. Comment abandonner, répéter une trace de lutte. Ouais mais Volge il a plein de sorts qu'il a pas. On aurait dû se reposer. C'est pas grave. Par là. Hein. Allez. Pas avec les bonnes armes. Ah, c'est quoi? Un smilodon féroce. Easy peasy. Moi aussi j'en ai un de smilodon. Il y en a un autre là. Très bien. Connaissance de la nature, très bien. Regarde, moi aussi j'en ai un dessus le nom. Pourquoi il peut pas avancer? Merci. Neko, vas-y! Oui, tu n'as pas de sort. Mettre des sorts de niveau 1 à niveau 0. Allez, ça passe. Il y en a d'autres. Ok. Wow, pourquoi tous sur mon loup là? Ah mais oh, on se calmer. Calmer le cul. Je vous le dis. Il est pas tombé. Ouais. Alors. Bravo. Aïe aïe aïe. Ouf. Lolololo. Va se calmer. Va se calmer le cul, non? Merci. Ouais, je peux pas le sélectionner. Merci. Défoncé. J'aime pas beaucoup ça. Ok. Croyez-moi. Voilà, appartient à toute évidence au croisé disparu. Ils sont fait attaquer par une meute de smilodon. Je n'y crois pas.
Les ourchons. Des petits ourchons. Tout porte à croire que l'ours a été tué par une magie de glace. On va tuer les oursons. Ils pourront pas vivre sans leur mère. C'est de la générosité que j'en fais. Allez, butez-les. Non, mais sans leur maman, ils pourront pas vivre. Vous le savez. C'est pour eux que je le fais. C'est pour eux que je le fais. Hein? Let us not hesitate. Danger! Mort aux arbres! Ah! Oui! Oui! Okay. Est-ce qu'il va, mon perso? Ok, il était là-bas. Très bien. Si ça l'amuse d'aller là-bas, hop, on va le congeler, le brûler. C'est un arbre. Hein. C'est un arbre. Donc le feu. On peut le mettre à terre. On peut tomber. Steph corrompu. Ah. Ça fait quoi? Créature fusionne. Moi, je on s'en fout. On va attendre que ça passe. Et là. Ah, on peut pas le. Qu'est-ce que ça? Les textes rédigés dans une langue commune pour que la sagesse des anciens parvienne jusqu'aux oreilles des jeunes générations, nous avons dissimulé les fragments dans de nombreuses cachettes. Les jeunes n'avaient rien tant que les devinettes et les jeux de pistes. Ah, est-ce que ce serait une question de dalles? Ça tombe bien, on a trouvé des dalles. Ça doit finir ça, non? 10 secondes. C'est tout. C'est tout. En avant, en avant, en avant, en avant. Non, ok. Ah merde. Aeview a pris des dégâts. Nous et eux, ok. Alors. Non, restauration partielle, je suis con. Magritium Turinos. Ah, tant que ça? Bouge pas. Voilà. Un butin! Certainement des offrandes. Volons-les. Et addition au monde. L'inscription est rédigée en Aeli, la langue des vieux Sarkaris. Puissiez-vous connaître la joie éternelle de la Dame du Soleil? Ouais. Quelqu'un vient régulièrement déposer des fleurs au pied de la statue. D'accord. Explorer le mystérieux village. Ouais. Ah oui, d'accord. On les a retrouvés. Les corps mutilés appartiennent sans nul doute à l'un des disparus. D'accord. Du sang et des traces de brûlure. Ok. On va mal se passer, les gars. Vous avez tué mes hommes. Ça va
très 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 mal se passer pour vous. D'accord, des démons. Chargez ! Vous avez tué mes âmes ! Bande de chiens ! Chien galeux ! Bande de limaces ! Vous avez trahi des mercenaires qui se sont battus pour vous ! Chien galeux. Ils crèvent tous. Il meurt. La fille. Ah. C'est déjà fini. Le souffle du dragon. Meurs. Ça te va? Aïe. Oh. Il va se calmer, Ginette, là? C'est bon? Il a compris? J'avais oublié que les mystificateurs profanes, c'était si fort. Aïe! Ils vont se calmer? Oh! Non mais oh! Les mecs, ils essayent de me tabasser quoi! Y'a pas à qui ils parlent ou quoi? Non, tout le groupe. Ils savent vraiment pas à qui ils parlent les gars! Une hache magique. Une hache magique. Une hache magique. Hache double orc. Tant bien, on a pas d'orc. Lorsque cette hache double orc plus 3 touche un ennemi avec son fail, l'attaque suivante avec le manche inflige plus D12 dégâts. Oui. Ah oui. Ah oui. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah. On s'éloigne du butin là. Là on pouvait monter également. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. C'est quoi cette map? Il y a plein de trucs. Oh, 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 il y a plein de trucs. Pillons tout. C'est con, parce qu'un fouet, moi je trouve ça génial. Un spectre. Qu'est-ce qu'il fait là? On lui parle. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Les dalles de cuisine. Elles sont... C'est pas les mêmes symboles. We should prepare. Our time has come. J'en ai marre. Bombardement orbital. C'était pas prévu ça. Piticon.
Le spectre c'était pas prévu. Après c'est qu'un spectre, hein, c'est pas très fort. Donc ça... Tiens dans ta face. Les smilodons font plus peur que le spectre en vrai. Ça fait force du taureau, je crois. Voilà, à terre. Vas-y, venge-toi. Voilà. Bonjour. Dégage. Voilà. C'est chiant. Yes. Vous allez le buter, ouais. Bon. À qui au similodo loup Excusez-moi. Vous êtes un mort-vivant, monsieur. C'est ça. Merde. Il a réussi. Il réussira pas toujours. Là. Merde. Hey you. Alors, Bene. Petite prière, alors. Voilà. Ah, oh, il réussit ses gestes, c'est pas drôle. Hey View, tu vas mourir. Il est costaud, hein? Allez, brûle. Il réussit tous ses jets, c'est pas drôle. Ça sert à quoi qu'on me donne une arme pour tuer les morts-vivants si les morts-vivants réussissent leur jet?
médusé. Mon loup, pas le droit. Mais arrive un moment, il faut toucher là les gens. C'est chiant. Merci. Quand on entend on touche, c'est ça qui est bien. Il touche à chaque fois lui. On touche jamais quoi, on fait pas plus de 10 quoi, c'est fou. Merci. Bon. C'est pour combien de temps? 45 secondes, ça va. 45 secondes, ça va. Et la prière, encore 20 secondes. Bah, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. On va attendre que tout ça se soit arrêté. Voilà. 8. 10. Ouais, dans une vingtaine de secondes, c'est fini. On va continuer à explorer. Alors, on continue à monter. Ah, une grotte. Une grotte, une grotte. On va aller par là. Là, il y avait encore des trucs. On va explorer d'abord tout ça avant d'aller là, quoi. Même. Allez. Allez. Presque tous full life, c'est bon. Un autre. Un autre spectre de merde. C'est ça qui est bien. J'aime quand on touche. C'est qui là? Le dragon. Il a mis quoi? Pièvre. Ah ouais. T'es chiant comme ça toi. C'est qu'un seul mec. Dommage. Je suppose que ça marche pas sur les morions. Ah oui d'accord, je peux pas me déplacer en fait. Moi. D'accord. Jamais ce sort. Et ce sort ne touche littéralement jamais. C'est chiant.
On ne touche jamais. Yes, pas touché. Tu sais que t'es chiant. Quand il viendra au corps à corps, on lui fera des soins. Il fera le... Ça lui fera le zizi. Oh, mais il réussit leur jet. C'est nul. Qu'à faire, autant appeler des renforts. J'ai encore ça. J'ai vu que ça lui faisait des dégâts. Voilà, petit 21 de vie. Nous sommes très contents. Voilà. Review va mourir. Ah non, c'est le loup qui tape. D'accord. Le loup va bientôt crever. By the way. D'accord que Brassard d'os ça marchera pas contre lui. Hein. Dommage, ça n'a pas le S à louper. Tu vas refaire ton truc là. Il est où le mort? Je le vois pas. Il doit être là. Il était là. Je le vois pas. Il y a trop de bordel autour de lui. Oh, tout a touché. Bien. Ah, tu peux pas sélectionner à travers. C'est chiant de jamais toucher. Hein. C'était sûr. Ah, ça touche enfin. C'est vrai que j'ai ça. Oh oui. C'est un qui va toucher, hein. Oui. Ah
j'ai fait 7. Merci. C'est chiant comme la pluie. Level up. Ah, le moment que vous préférez tous, le level up. C'est... Allez. Très belle image. Alors, école renforcée, tir soudain. Que le personnage manie une arme à distance, il menace les ennemis à portée de corps à corps. Il peut donc lancer des attaques d'opportunité avec cette arme sans pour autant en provoquer en retour. Oh. Personnage obtient un bonus de plus 2 de test de connaissance. Heureux. Certaines familles elfiques produisent des magiciens ou d'autres lanceurs de sorts profanes depuis si longtemps qu'elles élèvent leurs enfants en partant du principe qu'ils sont destinés à devenir de puissants mages et n'ont besoin de consacrer compétences ordinaires au maniement des armes. Les elfes qui possèdent ce trait racial obtiennent un bonus racial de plus 2 de test de concentration quand ils lancent des sorts sur la défensive. C'est con. Je croyais que ça me donnait... Alors là, ça m'aurait donné des sorts profanes, j'aurais adoré. Imaginons... Ouais. Tiens, j'ai pas science de l'initiative, en vrai. Ah, volonté de fait. Non, petite science de l'initiative quand même. Yes! Splendeur de leg de groupe. On va pouvoir peut-être réessayer les autres connards. Extase. Tous les alliés dans la zone. Est-ce que la confusion, c'est un effet d'émotion? Peut-être. Bannissement. Le bannissement est une version plus puissante du renvoi qui permet de chasser les créatures extraplanaires. Il est possible de venir jusqu'à 2 dés de vie de créatures par niveau de lanceur de sort dans un rayon de 30 pieds. Le sort... cible... ouais. Mais il est... ah oui! Ah d'accord! Animation des morts vivants... toutes les créatures ennemies... ah non, annihilation pardon. D'accord. Tempête de peste, récupération. Rayon de feu infernal. Les champions Azata ont mis au point ce sort pour débarrasser les monstres. Résistance inconnue, les rayons spirales colorées jaillissent de la main du porteur en direction de la cible. De réussir une attaque de contact à distance pour la toucher. Le rayon inflige 10 points de dégâts d'acide, 10 points de dégâts de froid. D'accord. Le type d'énergie infligeant le plus de dégâts à la cible persiste ensuite. D'accord. Ah, c'est pas mal. Pas mal comme ça. On va pouvoir... vision lucide. Ouais, non, ça c'est pour le flou. Âme de l'aigle. Personnage invoque un afflux de pouvoir sacré. Oh, c'est pas mal. Et ça, ça fait quoi? Ce sort fonctionne comme bénédiction de chance et de fermeté. Mais affecte plusieurs créatures. D'accord. Création de mort vivant. Sort convoque un chevalier tombal ou une armure gardienne. Très bien. Le loup. Science du critique.
Est-ce que ça marche, ça? Je sais pas. Le personnage choisit une arme perforante. Morsure. Bah non. C'est de la merde. Force du critique. Hey, bonus de force plus 8, bonus de dex plus 5. Allez, plus 6. Donc vaut mieux que j'ai mon bonus de force. Logique. Logique, logique pour le coup. Tac, 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 tac. Alors. Attaque en finesse. Ouais, mais le bâton, c'est pas une arme de finesse. Donc c'est de la merde. Je critique avec les bâtons. On est d'accord que le bâton, c'est pas une arme de finesse. Non, c'est une arme de moine. Donc c'est de la merde. Gardien divin. Superbe image également. Magnifique. Attaque réflexe, bousculette, couvert en aveugle. Destruction d'armure, on s'en fout. Enchaînement. On chasse. Peu nourri. C'est pas mal ça. Les funeries. Alors, aspect du vrai con. Pense ardente, c'est pas mal. Sort de niveau 4. Aspect du loup. Quand le personnage lance ce sort, il prend l'aspect d'un loup, y compris certaines des caractéristiques physiques. Il devient plus robuste, ses oreilles. Ouais. Quand le personnage lance ce sort, une créature, sa peau devient. Ouais. Ouais, petite convocation d'élémentaire. Le griffure aux morsures de toute façon. Alors, notre petite sorcière de l'hiver, niveau 6. On est bientôt au niveau au max, hein, de sorcière de l'hiver. Pour reprendre son niveau de sorcière après. On va monter, ici. En vrai, peut-être pour elle. Nouveau truc, agonie.
Guérison majeure. Bah oui. Couvert de givre. La cible recouverte d'une coquille. La blessure ne devient pas les subir en point de... Alors, deux sorts de niveau 6. Elle en a trop. Cône de froid, évidemment. Vocation d'élémentaire. Et notre ami Volge. On sait rien, moi. On va prendre l'épée courte. C'est chiant. Alors. Et voilà. Ah. Grimoire. Sort de niveau 6. Très bien. Petit éclair en plus. Là, il n'y a pas de sort de froid, c'est pour ça. Et c'est là qu'est héroïsme. Oui. Il y a tellement d'être bourré d'héroïsme là. Toi, c'est un nombre de sorts par jour. Toi, t'en as pas. Toi, t'en as pas. Toi, t'en as. Il y a des sorts, lui. Je savais pas qu'il y avait des sorts. Ah oui. Niveau 3, qu'est-ce qu'on peut lui mettre de plus? Prière en plus? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Convocation naturelle 6. Un des 3 smilodons. Ah non, un smilodon, un des 3 manticores, un des 4 plus un sanglier. Guérison suprême. Ah, ça, ça enlève confus. Splendeur de l'aigle. Ça, on le prendra quand on aura besoin. Un des 3 chapeaux rouges. Oh là là là. Oh oui. Oh, bannissement. Ça, c'est sûr. Allez. Ah, ah, ah. Bon, alors. On va par contre se reposer. Est-ce que je peux poser mon camp ici? Là, il y en a plein de sorts en plus. Plus 19. Excuse-moi. Plus 20, plus 21. Essayez de venir nous voir. Pearls of wisdom from Brother Woljeff. When you eat in a tavern, you don't have to pay. Just make sure to sit close to the door. Ah, le level up fait plaisir. Pas réussi à se camoufler, mais on n'a pas été attaqué. Très bien. Un petit sort de lumière. Ok. Très bien. Alors. Ah, on n'a pas été. Si. On a été là. Oui. On a tout fait ici.
Restez la grotte à trouver la sortie de la zone. Alors, on va d'abord aller fouiller par là. C'est là qu'on pouvait monter, non? Encore un spectre. Alors, par contre, on est complètement déstabilisé. Je peux le choper d'ici? Alors, maintenant aussi j'ai plus de sorts, petit con. Voilà, tu vas subir, moi je te le dis. Je peux pas le charger, dommage. Hello. Transformer en quoi en fait? Je peux pas attaquer. J'accepte que je ne puisse pas attaquer. Pitié con. Alors. Ah, pas sur elle qu'il fallait faire des... Bref. Oh! Veuillez m'excuser, je reviens. Il est de retour! Il est de retour pour tabasser ce salopard. Les morts vivants sont de retour. Sonnez le tocsin. Pardon. Voilà. Je vais toujours me toucher. Ce qui est pas top top, vous en conviendrez. On va essayer, hein. Non, ça marche jamais. Ça. Je peux rien faire. Ok. Me retoucher. Attention quand même au point de vie. J'ai refait ça. Allez, encore des petites attaques sournoises. Voilà, ça c'est très bien. Allez, très bien. Merci. Restauration. À moins que ce soit pas long. 50 secondes, c'est bon. Et des fois c'est 24 heures, des fois c'est 60 secondes, on ne sait jamais. Et il y a beaucoup de spectres ici. Hein. Ça c'est permanent. Ah, délivrance des malédictions. Et j'ai ça, je crois. Ici. Restauration. Ah non, j'ai pas ça. Ah mais j'ai souffle de vie en comme ça maintenant. Et je vais pouvoir l'enlever d'ici. Ça, ça va être intéressant. Je vais enlever ici parce que je l'ai en... Donc je vais pouvoir prendre colonne de feu par exemple. Il y a toujours un de plus. J'ai pas de délivrance des malédictions. Ah merde. Alors, est-ce qu'on n'a pas un...
J'ai pas. Ok. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. On a un perso de moins. Et je l'ai, hein, je sais que je l'ai dans mes sorts, mais. Voilà, mais il faudrait que je remplace. Ah, il y a un LLA, délivrance et malédiction. T'es sûr? Bon. Continuons d'avancer. Là, c'est vraiment de la merde, ces spectres. Hein. Ils nous défoncent le cul. Ça marche pas. Dommage. Plus PV. D'accord. Et tu sers à rien. Et là maintenant je peux le convoquer Ah oui. Matricium Turinos. Voilà. Oh. S'ils réussissent tout leur jet, c'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie encore? Ah oui, mais je le contrôle pas. C'est con ça. Ouais, on avait dit que ça marchait pas. Par qui? Pas vu, c'est bon. Chiant. Ils ont trop de défense.
Oh oui. Le petit sort de base qui fait 11 de dégâts, il fait plaisir quand même. Voilà. Ok. J'ai pas pu lire ce que ça faisait. D'accord. Ok. C'est pour faire le tour, revenir au niveau de la grotte, ok. Là c'est pour sortir. Je peux sortir. Pas encore monter. Un peu dégueulasse ce truc là. Il est vraiment dégueulasse, il est très très mal fait. Ok. Ok, ok, mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.